Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Chanter sur le livre à la Renaissance. Chanter sur le livre à la Renaissance, c'est ajouter des voix en chantant à une mélodie écrite sur le livre. Le livre, cela peut être un livre de musique sacrée comme un graduel ou un antiphonaire, mais aussi un chansonnier. Chanter sur le livre, c'est donc ajouter sur le vif, sans les noter, des voix supplémentaires à une mélodie de base qu'on appelle le cantus firmus. Vous pouvez ainsi ajouter une, deux, trois, voire quatre voix à ce cantus firmus et passer alors d'une monodie à une polyphonie. Pour créer ces lignes supplémentaires, il faut évidemment connaître quelques principes de contrepoint, cet art de la superposition des lignes mélodiques. Et bien justement, les vidéos que vous trouverez sur cette chaîne décrivent les différentes techniques de contrepoint qui vous permettront de chanter sur le livre. Comme vous pouvez le voir sur la page d'accueil de la chaîne, elles sont classées en différentes sections suivant le nombre de voix et la technique utilisée. Vous pouvez évidemment choisir de les regarder dans l'ordre qui vous convient. Deux derniers points, on peut également jouer sur le livre en utilisant des instruments à la place des voix. Vous pourrez donc entendre des polyphonies instrumentales dans certaines vidéos. Enfin, on peut également se passer de cantus firmus et improviser entièrement toutes les voix. C'est ce qui arrive dans les différentes sortes de canons, par exemple. Chaque vidéo comporte deux parties. La première partie vous montre des musiciens chantant sur le livre selon une technique donnée. La deuxième partie vous explique le détail de cette technique avec des mots, des exemples musicaux notés et des extraits sonores de la pièce qui précède. Pour aller plus loin, n'oubliez pas de consulter la description de la vidéo. Comme vous le voyez sur notre page d'accueil, cette chaîne est en cours de construction et de nombreuses vidéos sont encore à venir. Progressivement, à raison d'environ une par mois, nous les mettrons en ligne. Nous, c'est Antonin et moi. Voilà, c'est lui le monteur. Avec nos petites mains, nous confectionnons patiemment ces vidéos qui sont produites par le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon. Alors, abonnez-vous à la chaîne pour être prévenu des dernières vidéos.